Lewis Hamilton n'est plus le vainqueur-tueur que nous avons connu par le passé. Qui a déclaré ça là? Jacques. Ah bah! Qui d'autre que Jacques Villeneuve, évidemment, pour critiquer Lewis Hamilton, le pro Max. Je pense pas que Lewis pense à Ferrari, il pense à lui-même et à la façon dont les choses se passent pour lui. C'est la première fois qu'il partait en course, il n'est vraiment pas dans une bonne position. Ça n'aide pas sa conduite. Il faut qu'il sorte de cet état d'esprit avant d'aller chez Ferrari. Hamilton a eu des semaines de repos, il ne s'est pas amélioré. C'est difficile quand vous avez autant de courses d'affilée, vous n'avez pas vraiment le temps de changer. Mais il vient d'avoir 3 semaines de repos, il n'est pas revenu meilleur. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa tête, mais il serait heureux que Ferrari soit une meilleure voiture que Mercedes. Il va dans une meilleure voiture et à cet égard, il doit être heureux. Mais en général, son comportement indique qu'il n'a pas le langage corporel d'un vainqueur de course. Il n'est pas le gagnant-tueur que nous avons vu par le passé. Il doit retrouver sa forme et son attitude d'antan avant de bouger, car Ferrari n'est pas une équipe facile à vivre. Ah oui, Jacques Villeneuve, évidemment, a déjà été pilote Ferrari, c'est de quoi il parle, hein? Pas du tout, mais bon. J'aime bien parce que Jacques, il pense être dans la tête de tous les pilotes, en fait. Que ce soit Hamilton, Verstappen ou d'autres. Ou Ricardo, il a bien critiqué Ricardo aussi à l'époque. Mais mec, t'as eu un titre de champion du monde avec une fusée en 97, en fait. Parce que la Williams de 97, c'était une fusée, hein. Plus rapide que la Ferrari de Schumacher, hein, je vous le dis. Hein. Pour ceux qui n'ont pas connu, je vous le dis. Hein. Et oui, à l'époque, la Williams jouait le titre, quoi. Bon, ça n'a pas duré très longtemps après, par contre, voilà, 98, ça a chuté, dès 98, mais bon, après, voilà, ils ont eu leur heure de gloire dans les années 90, Williams aussi. Maintenant, voilà, on verra comment ça se passe pour Lewis. Il a déjà eu 2 victoires cette saison, en vrai, c'est déjà pas mal. Hein. Pour l'instant, il est devant Russell au championnat, alors je sais pas si ça va durer, effectivement, Russell revient, mais bon. Il reste encore beaucoup de GP, quand même, 5, plus les sprints, donc rien n'est fait. Que pensez-vous de l'éclat de Villeneuve?